Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être très différente de ce qu'on fait d'habitude parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de vous parler, j'ai vraiment besoin de vous dire des trucs qui vont paraître complètement fous pour certains, qui vont paraître complètement inutiles pour d'autres. Un truc que je me suis toujours juré sur ma chaîne, c'est que imaginons qu'un jour, il y a un problème où il y a quelque chose qui se passe et que j'ai vraiment besoin de parler, je préfère garder une complète honnêteté avec toute ma communauté que de me dire que je fais n'importe quoi et que je garde les trucs cachés pour moi. Aujourd'hui, vous allez être mes psychologues parce que j'ai vraiment besoin de parler de trucs qui sont sur la chaîne. Donc, avant de commencer dans tout ce que je vais dire, je voudrais d'abord vous dire vraiment merci. Encore une fois, j'ai beau le dire dans toutes les vidéos maintenant, mais merci beaucoup pour les 100 000 abonnés. C'est énorme, c'est un chiffre énorme, ça met beaucoup de responsabilités, ça je vais venir. Mais merci vraiment d'être tous là, d'être 100 000 sur la chaîne, c'est juste énorme, c'est un énorme chiffre. Et c'est pas forcément le chiffre qui compte, mais c'est genre la symbolique, on a qu'à dire en général sur YouTube, d'avoir 100 000 abonnés, c'est juste un truc énorme, et franchement je voudrais vous remercier pour ça, encore une fois, merci. Mais ce que je voulais dire maintenant, c'est tout ce qui se passe dans ma tête, et je sais que c'est dans ma tête, et que c'est coincé, mais j'arrive pas vraiment à l'exprimer en fait dans mes vidéos, c'est que la semaine dernière, j'ai eu les 100 000 abonnés, encore une fois merci, mais le problème c'est que ça m'a mis tellement de pression que... Je sais pas, pendant tout le week-end, j'ai tourné, j'ai fait 10 vidéos montées et enregistrées en un week-end. Est-ce que vous... Enfin, c'est mon record. C'est jamais tourné autant de vidéos d'un coup et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Et ça m'a fait du mal, genre vraiment. Dans le tas des vidéos, on a qu'à dire qu'il y en a énormément qui étaient comment oubliables. C'était pas des bonnes vidéos qui mériteraient à être publiées. Et malgré que je les ai montées, que j'ai mis du montage et tout, c'était pas moi dans mes vidéos. Genre clairement je faisais des vidéos pour faire des vidéos. Aucune des vidéos que du coup j'ai faites ce week-end là, est postée sur YouTube. J'ai tout delete de mon ordinateur, j'ai tout effacé parce que c'était pas les trucs dont j'étais fier. Elles sont pas mauvaises à ce point là, mais genre c'est juste que c'est des vidéos qui pour moi servent à rien parce que c'est vraiment des pures vidéos pour faire des vidéos, parce que je me dis que vous voudriez avoir plus de vidéos. Mais je pense qu'au final c'est pas vraiment ça, je pense que vous voudriez, enfin vous préférez tous je pense avoir une vidéo par jour sur un jeu que moi j'aime et que vous aimez la plupart du temps, que d'avoir plein de vidéos sur plein de jeux et être perdu dans l'amas de vidéos et que toutes les vidéos soient moyennes. Je préfère faire une bonne vidéo que plein de vidéos moyennes. Et ça m'est rentré dans la tête parce que je me suis dit pourquoi je fais ça, parce que depuis le début de ma chaîne j'ai toujours été très honnête avec vous et avec moi surtout. Je me suis toujours dit que si j'avais un problème je pouvais toujours en parler à ma communauté, je pouvais toujours en parler à mes amis en général. Et ce problème que j'ai eu ce week-end là était très mental, j'ai eu la pression. Parce que je me suis dit que quand t'as une grande audience comme 100 000 abonnés, t'as forcément de la pression. Tu dis que chaque truc que tu peux dire, ça peut être mal vu, ça peut être mal interprété. Je me suis vraiment senti mal dans mes vidéos, parce que je me dis que ce que je fais, c'est pas assez bien pour vous. Genre mes vidéos en général sont pas assez bien maintenant. Dans toutes mes vidéos, j'attends vos commentaires à chaque fois, tous vos retours pour essayer de m'améliorer. Et c'est comme ça que je fonctionne depuis le début de ma chaîne. À chaque fois que j'ai des commentaires, ça m'améliore. Et c'est comme ça que je suis arrivé de 1 à 100 000 abonnés. En écoutant ma communauté, parce que vous savez même pas à quel point vous m'aidez. Genre, même en dehors de m'aider pour mes vidéos, depuis le début de ma chaîne, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit en convention, par mail ou dans les commentaires que je les avais aidés, que j'avais en gros permis de dans leur quotidien, quand ils avaient mal, quand ils étaient fatigués, qu'ils étaient malades ou qu'ils étaient juste tristes, de leur remonter le moral à travers mon énergie dans mes vidéos et toujours mettre un maximum de peps, de toujours être heureux, de toujours faire plein de blagues. Et ça, c'est un truc que je tiens énormément à garder dans mes vidéos. Et beaucoup de gens aiment mes vidéos pour ça, pour mon honnêteté, pour... Je sais pas, moi peut-être, je sais pas, peut-être pour les jeux aussi. Et du coup, beaucoup de gens disent que moi, j'ai aidé des gens. Vous imaginez même pas à quel point vous m'avez aidé, moi. Je serais tellement seul et triste et je me sentirais pas accompli, je pense, sans YouTube. YouTube m'a tellement aidé, m'a tellement donné de confiance en moi, m'a tellement aidé à m'exprimer, parce que je m'exprimais pas très bien avant, je parlais pas très bien en général. Ce qui est toujours un peu le cas, et vous pouvez le voir dans mes vidéos. YouTube m'a vraiment beaucoup aidé, m'a permis de m'améliorer, de mûrir, de prendre conscience du monde qui est autour de moi, parce que j'étais un peu enfermé dans ma bulle. Vraiment, ça, vous imaginez même pas à quel point je peux vous remercier pour ça. C'est un truc qui vraiment me tient réellement à cœur, mais vraiment plus que tout au monde. Genre, beaucoup de gens diraient « Ouais, nous, tu nous as aidés, t'es vraiment super cool, t'es super gentil, etc. » Mais non, vous m'avez aidé. On s'est tous aidés sur la chaîne. On n'est pas la plus grande communauté, mais on n'est pas la pire. On est largement une très bonne communauté, on est très regroupés. Chacun est soudé dans la chaîne, et c'est ça qui est vraiment cool. Et je voudrais vraiment vous remercier vraiment le plus possible pour ça. Et je veux pas perdre ça. J'ai envie que la communauté continue à être soudée entre elles, qu'on continue à former une belle grande famille de Raytonia, que de tout balancer juste pour faire de la productivité, juste pour faire plein de vidéos, juste pour gagner plein d'abonnés. Ce que je me dis, c'est qu'il faut que je sois heureux de ce que j'ai quand je l'ai. Et que j'arrête de toujours me dire, il faut que j'aille plus loin, il faut que j'ai plus d'abonnés, il faut que j'ai plus de vues.
c'est pas une bonne mentalité, et je le sais, et ça arrivait que très récemment, et depuis, genre, je sais pas, c'est dans ma tête peut-être, mais j'ai l'impression de pas faire assez bien pour vous. Et du coup, je préfère être content de ce que j'ai maintenant, d'être content d'avoir 100 000 abonnés, même s'il n'y en a que 2000, 3000, 6000, 10 000 qui me regardent sur 100 000, je suis toujours content qu'il y ait 100 000 personnes qui se disent dans leur tête à un moment de leur vie, hey, ta vidéo est sympa, je vais m'abonner. Ça, c'est le truc qui m'a vraiment beaucoup aidé, et je pourrais pas faire tout ce que je fais là sans vous. Faut que j'arrête d'être émotionnel. Là, je viens de faire un live, je viens de faire le live des 100 000 abonnés, et j'ai fait exactement le même discours à l'intérieur du live. Mais c'est normal d'avoir des émotions de temps en temps. C'est normal de, quand on est honnête, quand on est à cœur ouvert avec vous, je préfère vraiment être, encore une fois, complètement transparent, et vous dire ce que je pense. Et du coup, je sais pas, j'ai pas envie de faire plein de vidéos, parce qu'au bout d'un moment, dans toutes mes vidéos, si j'en fais beaucoup à répétition comme une machine, je sais que je vais perdre mon style, je vais perdre ma personnalité et je vais devenir une parodie de moi-même. Je vais pas devenir moi-même, je vais devenir une parodie et une sorte de contrefaçon de Rayton que vous aimez. Genre, je serai pas le Rayton que vous aimez. C'est très difficile à comprendre, putain, c'est vraiment psychologique ce que je fais aujourd'hui. Maintenant, je suis revenu, maintenant je suis prêt, je vais faire que des vidéos que moi j'aime, que des vidéos dont je serais fier qu'elles soient postées sur la chaîne, que des vidéos qui vous plaisent. J'arrête complètement de faire des vidéos machinalement. Et c'est que grâce à vous qui regardez les vidéos, qui mettez des pouces bleus, qui mettez des commentaires, qui vous abonnez, que je peux continuer ça. Alors merci. Je peux parler de ça pendant des heures, je peux vous dire clairement tout ce que je pense pendant des heures. Mais, encore une fois, je préfère avoir une bonne petite communauté qu'une énorme communauté qui soit complètement bordélique. J'ai envie que les gens soient gentils dans les commentaires, j'ai envie qu'on fasse une belle communauté, une belle famille. Et c'est complètement grâce à vous que ça peut se faire. Aujourd'hui, n'importe qui, n'importe où peut faire n'importe quoi. Si j'ai 100 000 abonnés, vous pouvez avoir 100 000 abonnés. Si demain je deviens docteur ou militaire, vous pouvez le faire aussi. C'est des exemples, mais en gros, si vous avez vraiment un truc que vous voulez faire dans votre vie, faites-le à fond. Ne n'hésitez plus maintenant. On a plus le temps. Si vous voulez vraiment réussir à quelque chose, vous mettez toute votre passion, toute votre énergie dedans, et je vous jure que tout ira mieux. Je vous jure que vous réussirez dans ce que vous voulez faire. Et si personne ne croit en vous, moi, je crois en vous. Vraiment. Et du coup, c'est tout ce que je peux dire, mais vraiment, faites ce que vous voulez et faites ce que vous aimez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'avais vraiment besoin de la faire. Je me sentais vraiment pas très bien dans ma tête. Ce soir, et j'avais vraiment besoin de vous en parler. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. A plus mon Starryton, et ciao.